Je suis si contente d'aller à la nouvelle maternelle. Quand est-ce qu'on va aller? On ne va pas tarder. On attend juste que Léna soit prête. Maman, là-bas, il y a aussi des nouveaux jouets? Ou bien ils ont pris les vieux jouets et les ont emmenés avec eux là-bas? Ils en ont sûrement pris quelques-uns avec eux. Ils peuvent pas tout acheter à nouveau. Mais je pense qu'il y a aussi de nouvelles choses. Super, je suis trop contente. Dans tous les cas, je trouve que c'est très pratique que le nouveau bâtiment soit directement à côté de l'école. Oui, pour ça je pourrai aller vite à l'école. Je viens juste de finir, Chiquette. Très bien, c'est parti. Ils sont tous dehors dans le parc. Et j'ai toujours là. Oui, d'abord, vous devez tous partir dans le nouveau parc et ensuite, nous partons tous ensemble à l'intérieur pour vous montrer vos places. La cour de récréation est vraiment devenue jolie. C'est vrai, c'est joli. Je peux aussi entrer? Non, c'est juste pour les enfants de la maternelle, voyons. Dommage. Peut-être quand j'aurai la grande récréation, je pourrai rentrer dedans. Sûrement qu'il y a plein de choses jolies dedans. Bon, je vous souhaite de bien vous amuser à la maternelle. À tout à l'heure, Anna. À midi. Au revoir. Au revoir. Moi, faut que je parte à l'école. Au revoir. Amuse-toi bien, toi aussi. Merci. Ah, y a personne? Où est-ce qu'ils sont tous? J'ai raté quelque chose ou quoi? Est-ce qu'on a école plus tard aujourd'hui ou bien ils sont dans une autre salle? Attends. Il faut que je regarde mon emploi du temps à nouveau. Non, je suis à la bonne heure. Bon, ben, je vais attendre. Ils vont sûrement arriver. Bonjour, Léna. Bonjour, Monsieur Poli. Léna, tu es aujourd'hui la seule écolière. Tous les autres se sont déclarés malades. Quoi? Ils sont tous malades? Eh oui, c'est comme ça. Donc nous allons quand même faire cours, seuls. Nous allons nous en sortir, t'inquiète pas. C'est pas possible. Toute seule en cours avec Monsieur Poli? Ça, c'est vraiment le cauchemar. Nous allons d'abord faire quelques exercices dans ce cahier d'exercices de mathématiques, à la page 18. Donc, cet exercice. Quoi, ça aussi? Petra pense à un numéro. Si vous soustrayez 26 du nombre que vous cherchez, il est égal à 29. Comment s'appelle le chiffre recherché? Léna? Alors il faut calculer à l'envers. 29 plus 26, ça donne 55. Très bien, c'est exact. Bon, l'exercice suivant. Un chiffre inconnu est divisé en 4 parties, et on obtient 101. Quel est ce chiffre inconnu? Léna, connais-tu la réponse? Oh mince! Est-ce que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin? Un moment. D'abord, je dois me relire. Le nombre que nous recherchons est 404. Oui, exact. Et nous pouvons enchaîner avec le troisième exercice. La maison est superbe. Oui, moi, elle me plaît beaucoup. Oui. 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 Bon, tout le monde prend, s'il vous plaît, son sac et nous rentrons. Ouais, Madame Fischer, il manque Evie. Evie? Evie, nous rentrons. Mais où est-ce qu'elle est passée? Peut-être qu'elle est déjà rentrée? Non, je ne crois pas. J'ai trouvé une superbe cachette. Oh, Evie, allez, sors de là. Cachette super cool, j'aurais dû la remarquer. Le compte est bon, vous êtes tous là. Alors nous rentrons maintenant. Mais pas tous en même temps, les enfants. Bon, ici nous avons une garde-robe. Qui a une place pour accrocher vos affaires? Bon, ensuite je vais vous montrer où sont les toilettes. Dans le coin. Oh, c'est beau, tout est neuf. Mais nous n'avons plus de petits lavabos. Pas de panique, ils vont venir. La salle de bain n'est pas encore finie. En attendant que les lavabos soient montés, vous pouvez monter sur le petit tabouret. De ce côté, nous avons la salle de jeu. Oh, c'est génial, que c'est joli. Vous pourrez jouer. Mais avant, vous venez voir l'autre chambre. Ici, c'est la salle de petit déjeuner. Oh, génial. Maintenant, vous pouvez tous voir et essayer ce que nous avons. Ah, youpi, youpi. Regarde, Evie. Là, on peut grimper par la bouche de l'ours. Wow, la place ici. J'arrive. Hé, qu'est-ce qui se passe? Le crocodile ne peut pas passer. Bah oui, c'est normal. Il est trop grand. Maintenant,
maintenant, je vais aller voir les nouveaux livres. Paul et Alex ont bien sûr trouvé la voiture. C'est normal. Oui. Oh, Paul, mais c'est pas possible. Viens m'aider à tout ranger. Madame Fisher. On peut prendre le petit déjeuner? Oui, allons-y. J'ai pris un délicieux pain. Moi aussi. Vous voulez boire du thé avec? Oui, oui. On a aussi des nouveaux couverts. Oui, ils sont beaux, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, nous arrivons à l'orthographe. Oh. Prends ton cahier, veux-tu? Je vais te dicter quelques mots. Cacher. Interdire. Oh, j'aurais bien voulu être à la maternelle. Je suis sûre que Anna est super contente. Maintenant, nous continuons la lecture. Est-ce que je dois lire à voix haute? Oui, car il n'y a personne pour le faire. Monsieur Polly, qu'est-ce que vous en pensez de non seulement je lis à voix haute, mais je le fais devant d'autres enfants? Peut-être la maternelle qui est là devant? Oui, c'est une bonne idée. Je vais contacter Madame Fisher pour lui en parler. Je vais l'appeler. S'il vous plaît, Madame Fisher, dites oui. Je veux aussi partir à la maternelle. Madame Fisher est d'accord. Ah, super! Je vais vous lire l'histoire « Le petit dauphin qui va à l'école ». Dans la mer profonde, vivait un petit dauphin avec son ami, le thon. C'était l'histoire. Super, génial! Tu as très bien lu, Léna. Nous allons finir notre cours pour aujourd'hui. Tu as très bien travaillé. Cool! Est-ce que je peux peut-être rester avec ma petite sœur? Qu'en pensez-vous, Madame Fisher? Moi, ça me dérange pas, Léna. Merci. Génial! Ma sœur, elle a le droit de rester avec moi. Qu'est-ce que vous êtes bruyants? Je suis contente de retourner demain à l'école. C'est beaucoup plus tranquille. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un coup de pouce. Veuillez également vous abonner à notre chaîne afin que vous restiez toujours à jour. Et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.